Bien-aimé dans le Christ, je suis tombé en admiration devant la grandeur des textes bibliques de ce matin. Je dis tomber en admiration en regardant un Dieu plein de tendresse et d'amour qui nous rejoint surtout dans nos faiblesses, qui nous rejoint surtout dans les moments les plus durs de notre existence, qui cherche à nous relever la tête, à nous donner la main, à nous réconforter, mais surtout à nous redonner vie quand nous sommes un petit peu perdus, tiraillés et même fourvoyés par les vicissitudes de cette vie. La parole de Dieu pour ce matin, si nous sommes capables d'attirer attention nous tous et nous chaque sous texte biblique nous sommes proclamés là-haut, d'un côté avec le prophète Ézéchiel et de l'autre dans l'évangile selon saint Jean, est très réconfortante. La parole du Seigneur fut adressée d'abord et avant tout au peuple d'Israël pour annoncer à la fois une année de bienfaits, mais surtout apporter pour le peuple beaucoup d'espoir et de confiance dans une vie meilleure ou bien dans une nouvelle aventure avec le Seigneur. Alors, bon Dieu, par exemple, suspend, épatez-nous, étonnez-nous, parce qu'il prend toujours l'initiative de redonner chance à un peuple têtu qui souvent et très souvent pas trop comprendre bon Dieu, comprendre tendresse et miséricorde bon Dieu et qui agit selon bon que lui ou bien selon Jean lui-même lui voulait et qui toujours mettait en désaccord avec sa bon Dieu voulait. Dieu par la bouche du prophète dit il va rassembler tout peuple Israël là dans une seule et une même nation. Peuple ça qui était divisé, séparé, peuple ça qui était déchiré par toutes sortes et même qui était dispersé, que ce soit en exil ou du moins en Israël, que ce soit en Judée ou en Samarie, Transjordanie et autres, quel que soit côté où tu retrouvé, et le Seigneur Dieu annonçait. Il t'a pas le fait un seul avec peuple ça pour toujours. Et que peuple là t'a pas le gain un seul maître et un seul roi. Le roi qui allait être celui qui dirigeait le peuple, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui t'a pas le prend reine peuple ça pour le mener le côté que le voulait mener. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur, dit ce Dieu que nous aimons, au prophète Ézéchiel. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, dispersés à cause peut-être difficultés de tout genre que peuple a expérimenté, ou encore situation de détresse qui te permettent que tu es parti bien loin. On peut dire aussi de la déportation qui frappait le peuple Israël à chaque fois. Et c'est de cette situation minable et misérable que bon Dieu te promette que le pral prend peuple il y a. Pour se rappeler de David, son serviteur, Dieu dit au peuple d'Israël qu'il lui donnera un berger comme David. Et aussi le peuple devrait quand même s'accorder afin de mettre en pratique les commandements de Dieu. Le peuple a droit d'accepter, mettre en pratique sa bon Dieu mandel. Il doit faire volonté bon Dieu chaque jour dans la ville. Il doit quitter bon Dieu, orienter la ville. Et Dieu promet
à ce peuple aussi que li t'a pral passer définitivement avec lui une nouvelle alliance et qui allait être une alliance sainte et qui permettre que peuple là li joigne grâce dans mes bon Dieu. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance d'amour et éternelle. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, dit le Seigneur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça, c'est des paroles, c'est des déclarations, je dirais, d'amour faites par Dieu à qui on peut que le remet. Et nous sommes aujourd'hui, je dirais, sous la mouvance de cet amour miséricordieux de Dieu qui, par jambes suspendent, agit dans mitan nous. Et c'est ce témoignage que le Christ nous donne, l'évangile qu'on vient de proclamer. Et si moi-même avec vous nous prenons pour nous réfléchir sur ça, bon Dieu, dis-nous une parole ça. On a fini par comprendre que tout est grâce et miséricorde en Dieu. Certes, nous sommes capables de trouver des situations difficiles, mais bon Dieu, il est toujours là. Il est toujours là. Il est capable peut-être de dévier dans ma vie le plan que le Seigneur, depuis toujours, que était tracé pour moi. Mais il n'est pas capable de changer ça, bon Dieu, voulait. On nous dit qu'après la mort de Lazare, surtout quand Jésus était fin fait sortir dans ton bois, un pile monde était venu croire dans lui parce que il était porté la paix dans les cœurs. Il était blessé, il était guéri les cœurs blessés et il était porté réconfort. Bah ici là yo qui était affligé. Et il était tiré dans mitan gouffre la mort. Si là yo qui était mouri, qui était quitté, que l'en moi t'ai prise sous yo, elle t'ai baillé la vie. Et la vie que le Seigneur nous apporte aujourd'hui, c'est cette vie que même avec vous, nous devons chercher chaque jour pour nous mettre en pratique dans la vie, nous, dans le quotidien, nous. Et c'est ça qui a fait, bon Dieu, plaisir. On nous dit que quelques-uns allait dire aux pharisiens que tout ça bon Dieu fait dans Jésus-Christ et tout ça Jésus fait. Et chef prêtre eux-mêmes, ils ont cherché par tous les moyens pour les contraindre parce que ils ont eu un gros intérêt. Si ils ont quitté Jésus passé dans sa l'affaire, intérêt ils ont plaisé, intérêt ils ont blessé et ils n'ont pas capable d'arriver à agir, j'en ai tavelé encore. Et c'est comme si vous t'a dit que moun qui gagne gros responsabilité yo pour t'a quitter peuple là et aider peuple à vivre intimité profonde ça avec bon Dieu. Profiter de cette nouveauté dans le Seigneur. C'est eux même qui campaient en face li parce que li dérangé yo. Et c'est peut-être l'expérience du quotidien de notre vie. Quand nos dirigeants yo senti yo dérangé soit par comportement de ce peuple qui n'accepte pas du n'importe quoi, yo agit au embourreau pour yo maltraiter yo, tuer yo, humilier yo, et des fois il pactise avec ceux qui font le mal, pour ne pas dire des gangsters. Et il cherchait à non seulement le faire mourir, périr, mais surtout l'exterminer parce qu'il dérange. Et Caïphe, pour sa part, a prophétisé disant qu'il fallait qu'un seul homme meure pour l'ensemble du peuple. Alors laissez-moi me dire nos bagages, c'est mieux, frère, mieux. Quand tout dérangez, l'on dérangez ou fait à la fois, ou créez à la fois problème pour cela que vous dérangez, mais on crée à la fois problème parce que vous dérangez. Toutes y ont pratique de vie, toutes y ont paquet d'habitudes. Et c'est difficile de sortir nos habitudes qui dérangent. Et le plus souvent, quand ces habitudes y ont chitaillé sous ça qui mal là, c'est difficile pour nous
accepté bien en vin prendre corps dans mitan nous. Et le bien que le Seigneur nous propose, c'est sa propre vie. C'est un nouveau départ, mais aussi c'est son amour pour nous. Le bien que le Seigneur nous apporte aussi, c'est un changement de cœur, mais c'est une guérison pour l'âme aussi. Voilà pourquoi le Christ nous invite ce matin à ne pas nous mettre dans des situations difficiles, surtout quand on nous cherche soit pour nous contraindre, ou bien pour faire nous prendre mauvais chemin, ou bien pour faire nous prendre chemin du mal. Juste appuyez-nous sous confiance, nous, dans bon Dieu, toujours été dans l'intimité et quittez-le guider nous selon volonté. Rassurez-vous que Dieu est pour vous un maître, un père, un guide et un roi. Il viendra sûrement à la fête, disent les pharisiens. Et là, n'a pas capable de mettre main sur lui pour une victime. Sœur Frémio, nous sommes invités ce matin à accueillir dans notre vie le sacrifice qui nous délivre et qui nous sauve. Notre foi nous dit que Dieu nous annonce des jours bénis et des jours saints, que cette semaine qui vient apporte dans les cœurs plein d'espoir, plein de confiance pour des jours nouveaux, des jours meilleurs. Amen.